Salut. Alors aujourd'hui, je vais te raconter un petit peu une histoire que j'ai eue avec Pôle emploi. Alors l'histoire, somme toute, elle est assez courte, mais tu vas voir que c'est quand même chiant en fait. C'est quand même embêtant ce qui s'est passé. Alors commençons par le commencement. Depuis le mois de juillet 2019. Bon, mois d'août. Bon, septembre. Allez. Eh bien, le Pôle emploi me verse le chômage. Il n'y a pas à tergiverser 35 ans, c'est le chômage. Voilà. Alors, actuellement, je suis une personne au chômage. Donc, depuis ce mois de septembre, il me verse tous les mois. Je vous dirai pas la somme. Il me verse assez pour ce que j'ai fait quand même. J'ai fait un an de travail et fin de contrat et voilà, chômage quoi. Bon, bref, là n'est pas la question. Jusque maintenant, au niveau des paiements, tout allait bien. Au niveau des documents, tout allait bien. Au niveau de Pôle emploi en lui-même, tout se passait bien. Il a fallu que me prenne l'idée de vouloir créer une entreprise. Là, on passe au niveau au-dessus, là. J'ai du mal à trouver du travail, je vais me créer mon travail. Donc pour ça, j'ai demandé à être suivi par un organisme fabuleux, ça s'appelle la BGE. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, c'est la BGE. Pour faire clair, la BGE, c'est un organisme qui suit les jeunes entrepreneurs, les entrepreneurs tout court, qui se lancent comme ça dans une nouvelle aventure et qui ne savent pas forcément comment ça marche, l'entrepreneuriat, tu vois. Il y en a dans chaque région de France et la région des Hauts-de-France, on a été une des premières régions à avoir le dispositif qui était en test. Et ça a marché. Chez eux, pareil, le suivi, nickel. Tip top, pas de problème. J'ai suivi dernièrement une formation au mois de janvier, enfin à cheval entre le mois de janvier et le mois de février, qui s'est bien déroulée. Le truc, c'est qu'à la fin de cette formation, en théorie, au niveau de Pôle emploi, mon statut avait changé. Tu vois, j'étais plus chômeur, j'étais autre chose. Mais plus chômeur. Résultat des courses, j'étais désinscrit de Pôle emploi et il fallait normalement dans les 5 jours suivant cette formation que je me réinscrive à Pôle emploi pour de nouveau toucher mes allocations chômage et que tout rentre dans l'ordre. Bien sûr, ça devait être noté sur les documents qu'on te donne à la fois en entrée de formation et en fin de formation au sein de la BGE. Oui, parce que BGE dit à Pôle emploi que tu es en formation, donc Pôle emploi le sait. Le truc, c'est que ces documents-là, je les ai eus un mois après. En gros, il aurait fallu que je fasse la démarche de réinscription à Pôle emploi dans les 5 jours suivant la fin de la formation que j'ai eue. Et ça, je l'ai su un mois après. Ah, c'est un concept, hein. Tu vois, c'est... Résultat des courses, arrivé à la mi-mars, je me suis rendu compte que j'étais plus inscrit à Pôle emploi. En tant que demandeur d'emploi, j'ai commencé à flipper pour mes allocs. Ah oui, c'est de l'argent à rien faire, tu comprends. Ça, fallait pas le dire, ça. Alors, résultat, je tente de contacter la BGE qui, eux, me disent qu'ils peuvent rien faire parce que, eux, de leur côté, tout a été fait. Je contacte Pôle emploi et là, effectivement, c'est la procédure. C'était comme ça qu'il fallait faire. C'est qu'à la fin de la formation que j'ai eue, fallait que dans les 5 jours, je me réinscrive. Mais encore une fois, comment savoir ça, étant donné qu'on ne me l'avait pas dit à l'oral et que le seul moyen de le savoir, c'était d'avoir le papier de fin de formation, et c'était écrit dessus, le papier, l'attestation, ils t'envoient une attestation les mecs, ils attestent sur l'honneur que t'es venu en formation. Donc au final, j'ai dû me réinscrire à Pôle emploi et faire une demande d'inscription rétroactive. Alors ça marche dans ma situation, mais ça marche aussi pour toi si demain tu oublies de t'actualiser à Pôle emploi. Le résultat, c'est que tu vas être désinscrit de Pôle emploi, et si tu te dis « mince, merde », et c'est là que tu te rends compte que t'as oublié de te réinscrire à Pôle emploi, c'est comme ça que tu vas devoir faire, te réinscrire et demander une inscription rétroactive. Alors t'as le choix, soit tu leur envoies un courrier directement au Pôle emploi qui te suit, ou alors tu fais un mail à ta conseillère ou à ton conseiller, j'arrive plus à le parler, c'est dingue, cette histoire, ça m'a mis un peu sur les nerfs un peu. Donc tu contactes au Pôle emploi quoi, et eux ils vont étudier ton dossier, ils vont étudier ta situation, et effectivement ils vont voir si c'est le cas d'un oubli d'actualisation, du coup ils vont régulariser la situation, mais c'est bien parce que c'est toi, parce que normalement tu dois pas oublier de t'actualiser. Voilà, c'était ma petite histoire avec Pôle emploi. N'oublie pas les réseaux sociaux qui sont juste en dessous dans la description. C'était une vidéo pas très pas très normale. Oh mon Dieu, il s'est touché le nez. Non. Tout est dans la description juste en dessous de la vidéo. N'oublie pas ton actualisation Pôle emploi. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Je vais faire la mienne d'ailleurs. Et coupé, décalé, guada.